Putain, tu filmes là? Ben ouais. Ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous présenter un livre d'Astérix, un autre de Pokémon, ma collection de Pokémon, et après je vais vous présenter un jeu qui aura la suite que je ferai après. On va commencer par mon livre d'Astérix. Alors, voici mon livre d'Astérix, il y a écrit là. Je trouve la première page parce que voilà. Donc pour la première, il y avait cet autocollant à coller et il y avait le petit chien que j'ai mis très longtemps à avoir. Après, on a plein d'autocollants, donc on a celui-là que j'ai collé, celui-là, donc c'est une fille, là, je ne l'ai pas encore eu, c'est pour ça, on a celui-là, attends, mince, alors je vais vous montrer, on a celui-là, celui-là, sans oublier celui-là. Ouais. Ouh là là. Donc il reste pas beaucoup de pages hein, avant d'aller. Alors je vais juste vous montrer la page. Voilà. Alors là j'ai eu tous les autocollants. Sauf qu'il m'en manque un. Que j'arrive pas à avoir pour l'instant. Voilà pour le livre Astérix. Là, je vais vous montrer mon livre Pokémon. Donc ce Pokémon-là, il s'appelle Sotgaleo. Et l'autre, Nulala. En fait, c'est Sotgaleo qui se transforme, quand c'est la nuit, en Nulala. Donc, je vais commencer par montrer. Alors, pour la première... Alors, pour la première page, on a 7 Pokéballs. Et 7, ça c'est un mètre, je crois. Donc, on voit pas très bien sur la tablette. Voilà, ça c'est le... Ça c'est le mètre. Que je vous montre là, j'essaye de bien le capter, mais bon. Ça c'est le mètre. Ça, c'est, par exemple, quand tu as une Pokéball que tu veux, tu échanges avec l'autre. Échange Pokéball. Ça, c'est quand tu mets, par exemple, cette carte. Et il est obligé de te donner un Pokémon haut. Ça, c'est quand tu mets 10 cartes. Et quand l'autre joueur met 10 cartes et que toi, tu choisis 2 cartes dans ces cartes qu'il a mis. Après, on a... j'en prends 3 énergies. Donc là, on voit l'éclair, le métal et l'œil. Alors, j'ai un Pog que j'ai rangé. Sinon, ça, c'est échange énergie. Et le dernier, c'est une flèche. Quand tu veux quand même l'attraper, le Pokémon. Après... Pour la deuxième page, on a tous les Pokémon qui sont bleus. Donc, Cheetah. Alors, c'est un oiseau que j'ai mal placé. Juste 2 secondes parce que ça... ça devrait pas être là. Voilà. Voilà. Donc, on a Cheetah. Goélise. On a Corailon. On a Sabelette. On a
Alors, Aquaquac, je pense que vous le connaissez. Après, on a... Picleron. On a... Manglouton. Et on a une Pokéball. Donc ça, c'est pour... Donc la dernière page. on a une potion magique, un Pokémon qui s'appelle Electrode. Lui, il s'appelle Solgaleo. C'est celui qu'il y avait sur le dessin tout à l'heure. Lui, il s'appelle Béjarin. Après lui, c'est Mantali. Alors là, on a un gâteau pour les Pokémon quand ils ont besoin de veine. Là, on a alors énergie de feuille, énergie eau, énergie feu. Et pour la dernière et dernière page, je vais vous montrer toutes mes énergies, les deux. Énergie éclair, énergie lune, énergie œil, énergie métal. Et celle-là, c'est la même, sauf que quand celle-là fait sa méga transformation. Donc tu mets 10 cartes, t'additionnes tout et tu peux gagner 3 cartes de l'autre. C'est la plus forte. Donc, on a tout fait. Donc, je vous ai dit, Solgaleo, c'était lui. Et Nulala. Je vais vous présenter mes cartes. Je vais m'avancer. Bon, celle-là va être longue quand même. Alors, il y aura une carte au milieu. Les autres cartes, tu partages. Une pour moi, une pour l'autre. Une pour moi, une pour l'autre. Et ainsi de suite. Tu n'auras plus de cartes. Tu vas regarder tes cartes. Et là, par exemple, je prends la première. Je cherche. Ah, il y a un biberon, il y a un biberon. Je place, j'ai un point, je prends les deux cartes. Et je remets une autre carte. Voilà. Alors, ce jeu, on y jouera un jour. Peut-être tout à l'heure, on verra bien. Voilà. Au revoir, bisous et à la prochaine.